Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la Prescription Lab du mois de mars. Alors, la Prescription Lab, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une box mensuelle qui est au tarif de 20,60 €. Et je crois que pour avoir la livraison Colissimo, il faut rajouter 1,50 € ou 2 €, enfin, je ne sais plus exactement. C'est une box française qui, pour moi, est ma box chouchou. Je trouve que c'est celle qui fait le plus femme. En règle générale, on a des marques quand même assez sympas, des marques de niche un petit peu. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la Prescription Lab. Ces derniers mois, elle n'a pas été, on va dire, à la hauteur de ce que moi, en tout cas, j'en attendais. Donc, je vais regarder avec vous si cette box du mois de mars va me réconcilier un petit peu avec Prescription Lab. On va regarder ça tout de suite. Pour celles qui auraient vu ma vidéo sur la Blissim, où Blissim avait inversé deux produits, j'avais reçu un gel nettoyant au lieu d'une brume, Blissim m'a répondu qu'il m'envoyait la brume sous un mois. Donc, écoutez, on verra s'ils tiennent leur engagement. Ouais, en attendant, on n'est pas là pardon, pour parler de la Blissim, on est là pour parler de la Prescription Lab. Donc, elle se présente ce mois-ci dans une box rose poudrée. Écoutez, moi j'aime bien, c'est sobre, c'est joli. Voilà, pas grand-chose à dire dessus. À l'intérieur, je retrouve mon petit prescripteur. Je ne connais pas du tout la personne qui est en couverture. Visiblement, ça doit être quelqu'un qui doit être dans l'univers de la musique parce que on voit des instruments de musique derrière. Alors, je vais prendre... Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le prescripteur, c'est donc le magazine de la Prescription Lab. À l'intérieur, on y retrouve les produits qu'on reçoit, mais également, on a des interviews, des articles, des recettes, enfin, plein de trucs, je trouve, très sympa. Donc, visiblement, de ce qu'on me dit, c'est la routine Bonne Mine. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que je vois que sur la photo, il y a un pochon. Mais moi, je n'ai pas le pochon. J'ai les produits, mais je n'ai pas le pochon. Par contre, ce que je peux vous dire, rien qu'en regardant comme ça, c'est que franchement, elle est assez bien garnie. Donc, on va regarder ça tout de suite. On va aller dans le sens, du coup, du petit menu. Alors, qu'est-ce que je trouve en premier? Je trouve, alors, une marque qu'on reçoit beaucoup dans les box. Mais ce produit-là, je le connais. Et honnêtement, je le trouve très sympa, vraiment, si vous ne l'avez pas déjà testé, testez-le, franchement, il est magique ce produit. Donc, il s'agit du concentré hyaluronique de chez Huygens, un sérum en gel qui peut être utilisé seul ou avant une crème de jour pour l'hydrater, lisser, repulper la peau. Alors, honnêtement, moi, je l'utilise en sérum, hein. Je trouve que c'est pas suffisant, même moi qui ai la peau mixte, déshydrater, juste le sérum, c'est pas possible, il me faut une crème en plus. Sa formule fraîche et légère, composée de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 32% issus de l'agriculture biologique, regorge d'actifs naturels. Donc effectivement, c'est un sérum qui va vraiment lisser la peau, la retendre. Enfin vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. En plus, là, on a quand même un full size. Je suppose que ça doit être un 30 ml. Je n'y vois rien du tout. Je n'y vois rien. Alors, écoutez, je n'arrive pas à voir... Ah si, c'est 15 ml, je vais y arriver. Hein. Donc, écoutez, je pense que c'est un full size, un sérum en 15 ml. Oui, ça, je suis très contente de le recevoir parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, on nous dit... Alors, ça, c'est un produit que je connais. C'est le shampoing revitalisant de la marque Terre de Mars dans la gamme Reddition. Sans silicone, vegan et cruelty free, sa formule biologique tonifie et hydrate la chevelure et le cuir chevelu. Gorgé d'énergie, les cheveux sont plus légers et restent propres plus longtemps. Alors, moi, c'est un shampoing que j'ai déjà testé. Honnêtement, il est pas mal du tout pour un shampoing clean, entre guillemets. Alors, moi, en plus, avec mes cheveux capricieux, je vous avoue que si je vous dis qu'il est pas trop mal, c'est que vraiment, il est pas trop mal pour un shampoing clean. Bon, il a tendance, bien sûr, à emmêler pas mal les cheveux. Mais par contre, je trouve que les cheveux sont très doux. Et que vraiment il fait un joli effet sur les cheveux. Donc écoutez, très contente de pouvoir tester à nouveau ce produit. C'est quand même un format de 150 ml. Donc je pense d'ailleurs que c'est un full size. Donc je suis très contente de recevoir à nouveau ce produit. Ensuite, qu'est-ce que je trouve? Donc oui, on a reçu un mail. Alors on avait reçu un mail, on avait le choix dans un produit Pelab Beauty. Donc, on avait le choix entre le mascara transparent pour les sourcils, un mascara teinté. Alors, il me semble que ce n'était pas du tout une teinte pour moi. C'était une teinte, je crois, brune
ou châtain. Enfin, c'était beaucoup plus foncé que ma couleur à moi. Et après, on avait le choix sur aussi entre deux duos de fards à paupières. Moi, j'avais déjà un duo de fards à paupières de chez Pélab Beauty qui était proposé. Et il y avait également un autre duo de fards à paupières, mais c'était dans les tons de prune et de rose. Et je trouve que ce ne sont pas forcément des couleurs qui mettent mes yeux en valeur. Donc j'ai préféré m'abstenir et partir sur un produit qui va me servir dans tous les cas. Donc j'ai pris le mascara pour les sourcils en gel transparent. Ça, je sais que je m'en servirai. Donc écoutez, oui, mais pareil, c'est un produit dont je vais me servir. Donc je suis plutôt contente de le recevoir, même si je l'ai déjà testé. Et que honnêtement, bon, je n'ai pas énormément de souvenirs parce que ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai dû m'en servir, mais je n'ai pas de mauvais souvenirs. Donc honnêtement, je suis très contente de recevoir à nouveau ce produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Une sélection de produits partenaires surprise. D'accord, donc on avait soit découvert l'une des deux nouvelles marques encore jamais présentes dans la box. Donc Holisma, marque de soins, huile essentielle et compléments alimentaires. Et la Mielée des abeilles, petite marque française qui récolte son miel dans les Yvelines de façon responsable. Alors du coup, moi je pense que j'ai reçu un produit pardon, de la marque La Mielée des abeilles. Donc, alors avec la lumière, je ne sais pas si vous y verrez. Ah, ça y est, vous y verrez grand-chose. Donc, c'est visiblement une émulsion visage fluide et légère à l'eau végétale active, biocompatible avec la peau, au miel et au propolis. Bah, écoutez, je suis plutôt très très contente de recevoir ce produit. J'imagine que c'est un full size parce que c'est en 50 millilitres. Bah écoutez, moi je suis plutôt contente de. C'est une marque que je connais pas. Je suis ravie de pouvoir tester. Donc très satisfaite de ce quatrième produit. Et j'ai encore deux produits dans ma box. Donc qui visiblement ne sont pas listés sur le prescripteur. Mais de ce que je vois, c'est deux produits que j'ai déjà reçus. Donc du coup, je pense qu'ils ont dû faire certainement combler avec des produits qu'ils avaient. Je suppose. Mais écoutez, je ne suis pas du tout mécontente parce que j'ai reçu. La lotion que j'adore de chez Vegan by Happy Skin, donc c'est la lotion tonique à la camomille, au calendula et à l'aloe vera, dont je vous ai déjà parlé. Écoutez, je suis ravie. En plus, j'allais bientôt arriver à la fin de ma lotion. Donc écoutez, elle va venir remplacer ma lotion très rapidement. Donc je suis très contente de la recevoir. Alors oui, c'est sûr, c'est un produit qu'on a déjà reçu. Il y a beaucoup de produits qu'on a déjà reçus, mais c'est vraiment un très bon produit et je crois que la valeur de ce produit doit être entre 30 et 40 euros. Donc oui, très contente de recevoir ce produit. Et enfin, le dernier produit que j'ai dans ma box, c'est le masque Bonne Mine de la marque Cadalys, le Banana Shake. Alors ce masque-là, je suis justement en train de le tester. On l'avait reçu, je crois, dans une box, la box de cet été. Alors, c'est pas du tout un produit qui est adapté à ma peau. Enfin, en tout cas, moi, sur moi, je ne vois pas forcément un effet de dingue, on va dire ça comme ça. Donc, je ne suis pas hyper fan de ce produit, de la marque Cadalys en général, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas, sur moi, ça ne réagit pas. Enfin, je n'ai pas d'effet ou de résultat formidable. Donc, écoutez, ce produit, vous le retrouverez très certainement sur mon Vinted, pardon, parce que j'ai d'autres masques à utiliser. Et celui-ci, vu qu'il me. Enfin voilà, je vois pas un effet de dingue. Vous le retrouverez sur mon Vinted. Voilà. Et enfin, au fond de ma petite box, j'ai tout de même un petit échantillon de Nomade hein, de chez Chloé. Je crois que je l'avais déjà essayé. Il est pas mal du tout ce petit parfum. Je crois qu'en plus, dans sa version full size, le parfum Nomade est un parfum rechargeable, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, il n'y a pas de souci. Voilà pour ma box de mars, du coup. Alors, on va récapituler. Donc, on nous dit routine bonne mine. Bah, écoutez, moi, je suis plutôt très satisfaite. Je trouve qu'elle est bien, bien garnie, hein, cette box. Le shampoing Redis de chez Terre de Mars, que j'aime beaucoup. La crème que je ne connais pas du tout. La lotion que j'aime beaucoup. Le petit sérum, pareil, que je connais, mais que j'aime beaucoup. Le mascara transparent sourcil, j'aime beaucoup. Il n'y a que le masque qui, moi, en tout cas sur moi, n'a pas un effet de dingue. Mais sinon, honnêtement, je trouve que la box est super bien garnie. Au niveau du thème routine bonne mine, bah écoutez, on y est, hein, sérum, crème, shampoing, lotion, tout y est, j'ai envie de dire.
Écoutez, dites-moi vous si vous avez reçu cette box et si vous avez reçu les mêmes produits que moi, parce que du coup, je pense qu'il va y avoir du coup trois produits qui vont différer. Ou est-ce que le masque et la lotion, c'est pour tout le monde et il y a juste la crème et visiblement des compléments alimentaires qui seraient susceptibles de varier. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt contente. On se retrouve, je pense, pour la prochaine box, ça va être la Glossy Box. Du mois de mars qui devrait arriver dans la semaine. La Dégusta Box, la Goodie Box. Alors j'espère la recevoir, la Goodie Box de ce mois-ci. Enfin, en général, c'est fin de mois. Mais bien sûr, enfin, j'ai eu un petit souci avec ma carte bleue qui, on va dire que j'ai été victime d'une fraude. Donc du coup, ça s'est passé vraiment en toute fin de mois. Et ça s'est passé au moment, en fait, où la Goodie Box s'est prélevée. Donc du coup, ma carte était opposée. Donc du coup, j'ai changé ma carte bleue, parce qu'entre-temps j'ai une nouvelle carte bleue, mais je ne vois pas le prélèvement. Donc je leur ai écrit, donc j'espère quand même qu'ils vont me prélever et qu'ils m'enverront ma box en fin de mois. Mais bon, d'ici là, j'aurai reçu d'autres box et j'aurai l'occasion du coup de pouvoir vous parler d'autre chose. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très vite.